Broken Bridge clame un amour pour le vinyle et le vintage en pleine tournée romande. Nous les avons rencontrés de passage à la parenthèse avec un nouveau membre. Présentation. Ça fait un peu plus d'un an que le groupe existe. On avait commencé justement en duo avec Redney. Et puis on était juste guitare-batterie. Et ensuite on a décidé dernièrement de prendre un bassiste pour amplifier un peu l'énergie du groupe. Et on a pris Captain Will à la basse. Il apporte vraiment beaucoup. Ça apporte une autre énergie. Le style est assez différent de ce qu'on faisait à deux. Et je pense que c'est seulement pour le mieux qu'il nous rejoint. Première répète, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment le genre de morceau que je... le genre de musique que j'aime, quoi. Évolué, on va dire, mais toujours dans le garage rock. C'est vraiment garage rock avec des influences autant surf, punk, blues. Il y a un gros melting pot et c'est ça qui donne notre garage rock à nous. C'est une énergie très primale quand même. Enfin, ce que je fais, c'est pas vraiment hyper complexe. J'ai vraiment les rythmes qui sont vraiment, enfin presque un peu tribaux, mais qui sont vraiment purs et qui vont vraiment à l'objectif. Beaucoup de gens de bassistes de garage jouent au plectre et moi je suis un des rares qui joue au doigt, donc ramener beaucoup un peu de groove au garage. Ça a vraiment commencé à prendre il n'y a pas si longtemps. Après plusieurs dates qu'on a eues pendant l'été et on a eu plusieurs dates qui sont justement à l'automne maintenant et qui sont vraiment des lieux où on voulait toujours jouer. Là on joue à la parenthèse, la semaine prochaine au Docks et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est seulement en train de monter. Ça nous forge, on va dire. Ça nous donne vraiment genre l'énergie d'augmenter, de continuer à aller plus loin. Cette énergie, c'est notre musique, on va dire, parce qu'on est en transe avec notre musique. On essaie vraiment de donner un maximum au public, parce qu'on vraiment que le public ressente cette énergie qu'on joue. Et le meilleur moyen de le communiquer, c'est vraiment en éprouvant une sorte de, pas de violence, mais genre une certaine énergie physique que musicale. On a broken brick.